Salut tout le monde, ça c'est l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5. Vous avez vu, on avait le droit quand même avec un petit intro de cette boîte de nuit musical locker. Donc aujourd'hui, on va commencer une mission peut-être pour ce DLC Cayo Perico Heist. Je sais pas si j'ai dit ça comme c'est bien dit. Mais j'espère en tout cas que ce sera des bonnes missions qui vont très bien payer parce que nous promet, mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de fortune et puis on n'est toujours pas roi de Los Santos pour le moment parce que on est beau être riche, mais on contrôle pas la ville pour le moment. Donc du coup, j'ai reçu un message de la part de Miguel Madrazo. Salut, mon père m'a dit que tu pourrais m'aider avec une petite affaire de famille. Tu connais le club du Diamond, The Musical Locker? Viens me retrouver, crois-moi, tu veux pas te louper cette opportunité. Miguel Madrazo. Bon, nous sommes d'un bon endroit, je pense qu'il faut aller sur M qui est indiqué en bas à gauche sur la carte en vert. On va aller voir ensemble pour voir ce qu'il va nous proposer. Donc il faut le trouver, ce Miguel. Ah, il est là. Donc il faut appuyer sur danser. Ok. Là, il faut danser. C'est pas ce que je veux, moi. Moi, c'est pas ce que je veux. Il faut que je trouve Monsieur Miguel. T'es où, Monsieur Miguel? Est-ce que j'ai le droit de venir te perturber? Ah, il est là. Il doit être là. Ok. What are you doing? Oh, it's okay. It's okay. They're with me. Ouais. Thanks for coming. Welcome, Miguel. What do you want? Tequila, champagne, water, gum, anything? Just help yourself, okay? The minimum spend here is insane. The cool kids really make you pay for the real estate. Oh, this is my lovely mother. You're going to help my boy, right? That's Jackie. Hi, sweetie. I'm Jackie. Real estate. This beautiful piece is Kaylee. She's got more fucking followers than the Pope. What's up? They were at ULSA together. Cost us a fortune getting them in there. Oh, my God, Patricia, you remember that? Uh-huh. That whole shit show with the dean? I mean, yeah. Wow. Are you okay, honey? Oh, I'm good. So, I don't know how well you know my father, but he's old school. I'm the now guy. I'm the fucking ideas guy. Diversify the brand, right? Merch? The full 360 24/7. I have got big fucking plans. Right, Mom? Right, sweetie. Madraso 2.0, bro. But I've also got a big fucking problem right now. This guy. One Strickler. They call him El Rubio, the blonde Colombian, one of our main suppliers. But somehow, this fucker's managed to get hold of like decades worth of intel on my family. I mean, every business cuts corners, right? But you take some of that shit out of context and the optics can look bad. Anyway, he's threatening to leak it all to the DEA if we don't renegotiate our prices. Basically, he's trying to play me for a fucking fool. Mom, just chill. I don't know what I'll do if anything happens to him. Best in the Come on, Jack. Yeah. Yeah. Let's go. Keep it coming, baby. Six-figure check, everyone. Let's make it happen. Woo! Let's make it happen. So, yeah, there's no way I'm gonna let that piece of shit bring down my family, make me look weak in front of my father. I need to get my hands on those files by any means necessary. So, I'm just gonna lay it all out there for you. Strickler's got this private island off the Caribbean coast of Colombia. Grows a bunch of coke and weed down there. Has got himself some big compound. Lots of guards, high-tech security, the whole works. I need someone to rob it. Is that something you think you could do? We're talking a very big payday here. Good, yes, excellent. I hear you've got quite the resume, and that's very important. I need a fucking A-team on this. This place is fucking mental! Hang on one sec. David! Where's Pops? I thought he was with you. I can't get him out of the bloody box. Sweated off his chops. Double dropped like a trooper. Okay, I didn't understand a word of that. Dave, come here a second. Jezza! When are we gonna see you throw some shapes? Best tunes in LS right now, mate. Oh, proper mullered. This is the one I was telling you about? Ah, yeah, we know each other. You all right? We're talking about the island?
Oh, yeah? Yeah, I've been over there, like, 4 times now. Massive vibes, a proper mashup. Yeah, the thing about El Rubio is he likes a certain lifestyle. Oh, yeah. The blonde man loves to go large. No expense spared. The hottest girls, the biggest names, I'm his go-to. Dave, the rave, the dream maker. He loves me. Fucking nutter. I mean, I've seen him 3 days in, gurning like a trout, bottle of bubbly in one hand, AK in the other, chasing some fucking supermodel down the beach on a panther, mate. Crazy seas. Right up my alley. Blowback. No. Well, anyway, that's got me nice and fuzzy. Reckon I'm gonna head back out there and get it warm. Let's have it, Mrs. M. Okay, let's circle back, talk outlay, logistics. First and fucking foremost, you're obviously going to need a submarine. J'espère que ça va pas coûter trop cher, ça. That's right, bear with me. I know I think fucking fast. We are going deep on this one. Literally, the silent fucking menace. So there's this old Russian sub for sale, just been upgraded to the latest spec, 6G, state-of-the-art shit, operated by this guy called Pavel, who's been doing a few drops for us recently. He knows all about the job. He'll be running tech for you guys on the sub. We need to go full counter-espionage on this motherfucker. Do you feel me? Yes, sir. Okay, good, good, yes, make this happen. You will be very, very well looked after, my friend. Such a boy. Mom, take it easy. Fucking hydrate. I'm wet. Bon, d'après ce que j'ai compris, il faut encore acheter. On n'est toujours pas patron de notre Los Santos. Donc j'imagine que ça va pas être nouveau contact, Pavel, ok. Donc ça va pas trop. J'espère que ça va pas trop cher surtout. Donc le travaux c'était bien pour d'après ce que j'ai pas dit dans mes vidéos. Enfin j'ai même pas fait de vidéo avant la sortie des DLC, mais j'avais quand même pensé que ils allaient faire cette petite boîte de nuit. J'ai dû m'en douter d'ailleurs. Maintenant on va se concentrer aux achats. J'espère en tout cas que je vais être remboursé. Alors, à mon avis, ça doit être dans Warstock. Voilà, voilà. 2 millions. Oh, ça va. 2 millions. 2 millions pour ce marin. Ça va. Du coup, wow, il y a des nouveaux véhicules et tout. Franchement, c'est top. J'espère en tout cas, ça va être utile tout ça. Pas comme les précédents. Parce que plus on monte de niveau, plus j'ai l'impression que pour les joueurs normaux, comme moi qui ne triche jamais, bah j'ai pas l'impression de monter de niveau en fait. Du coup le sous-marin, je pensais que ça coûtait plus cher. 2 200 000, ça va encore. Mais après, il faut améliorer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour l'instant, je vais quand même regarder un peu partout pour voir un peu de nouveautés. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, enfin il y en a juste ça. Bon, moi j'ai 19 millions, j'espère en tout cas que ça va aider pour faire les missions. Je vois qu'il y a plein de missions à faire pour débloquer certains véhicules, enfin du moins les nouveaux véhicules, comme la Jeep qui est là, le bateau, je pense qu'on a plus besoin pour tout. Allez, je vais placer aux achats, hop, je vais mettre quelle couleur? Parce qu'après, j'ai pas envie de le changer. Ah non, pas complètement rouge quand même. Comme ça, ouais, d'origine. Je sais pas trop. Non, il n'y a pas de rouge et bleu. J'aurais bien aimé avoir rouge et bleu, moi. Rouge et noir. Ou alors comme ça. Ah voilà, rouge et bleu. Mais bon, c'est pas complètement bleu comme je veux. J'aime pas trop, non. J'hésite là. Hop, comme ça. Non, pas complètement non plus. Non, pas comme ça. Bon, je vais laisser la couleur d'origine. Là, moi, c'est bien. Drapeau français, bien sûr. Je vais mettre là-dessus. Hop, sonore. On va mettre comment le sonore? Ah, ben, sonore, il n'y a pas de... Ah, ok, ça se complète là. missile autoguidé, ok, bon.
Bon, ça commence à être salé. J'espère que ça va être utile tout ça, mes amis, parce que ça commence à être salé tout ça. Hein? Ok. Atelier d'armes. C'est bon. Hop, bah ça, ouais, peut-être pour la suite, par la suite. J'ai bien cotisé pour cette mission. En tout cas, j'ai bien calculé. Je tombe sur 9 millions, donc il me restera 10 millions. Allez, ouf quand même. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs à acheter. Hein. Donc j'aurai tout ça pour 9 millions. Ok, ça va, ça va. Ça va. Bon, nouveau Kazak K est disponible. Ok. Bon, j'avais du mal. Bon, mais on va s'y rendre tout de suite. Je vais mettre. Allez, je vais prendre quel véhicule là? Ça y est, c'est parti. Le fonds est transféré. Les papiers sont signés. Et te voilà, capitaine. Enfin. Ah, j'entends pas ce qu'il dit. Il y a une petite coupure de son là. J'entends rien. Je sais pas vous, mais j'entends rien. Il parle dans son téléphone, mais j'entends rien. Du coup, il n'y a que le sous-titre qui m'a fait comprendre ce qu'il fallait faire. Allez, c'est parti. Voilà, je vais me rejoindre au bord de mon sous-marin. Il y a quoi là? J'ai une petite valise là. Est-ce que c'est un truc à récupérer? Ah non, c'est une petite. Ah non, attendez. Ah non, c'est rien. Du coup, je vais prendre mon petit bateau. Bon, j'ai fait exprès de ne pas prendre mon oppresseur. Hein. J'espère en tout cas que je vais pas faire exploser. Allez, c'est parti. Est-ce que le bateau il est à moi? Non, c'est pas à moi le bateau. Allez, c'est parti pour le sous-marin. Alors oui, j'ai remarqué par contre le cinématique il n'était pas si long que ça va par rapport à d'habitude. Franchement, tout était bref, c'était pas très très long donc ça va, c'était cool quoi. Hop, pour monter, entrer, ok. Bon, il faut aller à la nage là à chaque fois ou quoi là? Comment on fait pour monter? Donc il faut tout le temps aller à la nage? Non, c'est pas possible. Faut qu'il y ait un système quand même pour rentrer. Hein. Rentrer. Ah, toujours l'explication, je pense. Là, on va rencontrer Samuel Macano. Mais c'est mon sous-marin. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Capitaine, I have been expecting you. Come, welcome aboard. She is beautiful, yes? The jewel of late Soviet air and naval engineering, with state-of-the-art systems and upgrades. Yes. Ah! Converted to be fully operational by skeleton crew of one. Allow me to introduce myself. I am Pavel, helmsman first class, also chief engineer, gunner, radar technician, and cook. Huh? You join me for red caviar later. 20 years old, but tastes like it was canned yesterday. Don't worry. We have not taken a leak. Now, this is Moon Pool. Allows for storage and launch of secondary craft, submersibles, so on. But we are getting ahead of ourselves. Ah, come, double time! Your friend, Mini Madrazo, gets in touch with me just in time. I was about to get involved in some serious geopolitical bullshit, but who wants to get stuck on the bottom of the ocean with three IA agents and angry blogger? Before that, was on Brazil West Africa route. Now that was easy money. Don't touch this. Before that, I faked sailing accident for Liberty State Governor. Not so easy. Don't touch this either. Before that, North Pole. Touch this, and we all die. Before that, I forget. The 90s in Russia were a hell of a drug. Eh? These you can touch. Now,
The Caribbean, huh? Mini Madrazo explained me the details. This is quite the plan you have hatched, huh? I should let you know, these will not be the first sensitive documents I have liberated. But Mini Madrazo pays better than the Canadian government. I think, yeah. This man you are robbing, Juan Strickler, El Rubio? Cartel boss, cocaine manufacturer, all around bad guy. His little island is better fortified than many countries. Fortified compound, barracks, airfields, sea defenses, air defenses. The documents will be behind it all, hidden away. You will have to plan. You will have to research. There are many ways to thread a needle in a haystack, huh, my friend? This why you need me. Huh? You want to know what the element of surprise looks like, my friend? You are standing in it! Huh? You have never had a base of operations like this before, I think, huh? Periscope, there. Helm, here. Torpedoes. Huh? And Navy wine. This I not show you. And room for upgrades. Sonar, guided missiles, because you paid for them. Any questions? First order of business. You must get onto the island and take a look around. There is executive private party, and you are the entertainment. Or with the entertainment, you are the DJ's tour manager. I have it here, sir. Yes, it is, kind of music. Adam Port, Rampa, and me, and you. You are number four. You will meet at the executive airport, and off you fly. I will be lurking in the deep. Like post-Soviet Kraken, telling you what to do on the radio. Now, whenever you're ready, the bridge is yours, Capitan. Just press go. Ok. Est-ce que je vais commencer par la première mission ou je vais attendre un petit peu pour le prochain épisode, mes amis? Je pense que je vais visiter un petit peu les lieux, histoire de bien voir à l'intérieur. Est-ce que je me suis fait couillonner ou pas? Là, c'est la sortie. On est d'accord. Est-ce qu'il y a un endroit déjà pour boire une petite bière? Ok, bah, je suis déjà riche. Il y a ma salle d'arcade qui est 50 000. Ok, il y a l'hélicoptère qui est là. J'aimerais bien le tester, mais pas pour l'instant. Cette pièce sert à entrepôt et déployer le véhicule du puits central acheté sur Warstock. Ok, d'accord. Bah ouais, mais il n'y aura pas grand chose, hein, parce qu'il n'y a pas assez de place. Oh là, c'est un trou là ou pas? Non, j'espère que c'est pas un trou là. Ouh, ça m'a fait peur. Du coup. Hop. En tout cas, je vais rajouter un petit peu de musique derrière. C'est un peu affolant, mais bon, c'est mon bateau, enfin c'est mon bateau, mon sous-marin. Bienvenue dans mon sous-marin, on fait le tour ensemble. Donc du coup, tout à l'heure, on avait regardé un truc en dessous de quelque chose. Ah, il y a un mini sous-marin, ok, enfin on a ce mini sous-marin. Mes amis, oh là là, c'est vrai. Est-ce que je peux rentrer dedans déjà? Est-ce que je peux rentrer dedans? Bah bien sûr, je peux rentrer dedans. Bah oui, je peux rentrer dedans. Ok, bah je vais rentrer pour être sûr. Parce que là, j'ai un peu sur triangle, mais ouais, je peux rentrer dedans. Le sous-marin amélioré. Ok, bah ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, ils ont fait un truc énorme. Mais je risque quand même d'être déçu par l'émission. Mais il faut pas juger trop vite. Ah, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Il a dit qu'il y a une salle d'armerie par là. C'est juste à côté des moteurs. Ah, l'atelier d'armes vous permet d'acheter des transformers et transformer certaines armes en leur variante MK2. Ok, mais ça c'est pas nouveau ça. À moins qu'il y ait un truc en plus, mais c'est pas nouveau vraiment parce que les armes variantes. Ah, je viens d'avoir un truc, mais je peux pas ouvrir mes inventaires des armes.
Ok, bon, je pense qu'on a fait le topo, mais je vais voir quand même, avant de juger, comme je dis tout à l'heure, il faut voir par ses propres. Ah, c'est juste la caméra. Comme je dis tout à l'heure, il faut voir par ses propres yeux. Allez, vas-y, je clique. Bah non, ça ne change rien, comme j'ai dit, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de nouvelle arme, il n'y a rien. Ok, bon. Ah, ça, j'ai pas vu ça. L'ordinaire, j'avais pas vu qu'il y avait l'ordinaire ici. Donc, j'ai eu, à mon avis, il n'y a que des alcools hein, pour boire. Et on pourrait manger. Oh, le sac poubelle. Ça me plaît pas, ça. Sac poubelle au milieu de la pièce, en plus, dans l'ordinaire, ça, c'est pas bon. Ça, j'avais pas vu du tout. Il y avait l'ordinaire. Enfin, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'ordinaire, c'est la cantine. Hein. Hop, il y a quoi ici? Il y a un code à taper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Station. Ah, c'est station radio. Ok. C'est tranquille, ça. Un petit vestiaire. Enfin, ça, un endroit pour se dormir. Est-ce que je peux dormir ici, moi? Il n'y a pas d'emplacement pour moi. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit emplacement pour moi. Ok, bon. Il y a 3 étages en tout, je crois. Je pense que j'ai déjà tout visité. Ouais, j'ai déjà tout visité. En tout cas, mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!